Les Occidentaux ont tendance à penser que quand on parle de compassion et d'altruisme, on parle d'oubli de soi, qu'il faut penser à l'autre avant tout. Donc être dans la compassion ne veut pas dire qu'on ne doit pas s'occuper de soi. En fait, je dirais même le contraire. Et ceci vaut pour les personnes qui travaillent en première ligne dans les métiers de santé, comme les infirmières qui travaillent dans les unités de soins intensifs, les médecins. Plus ils sont capables de prendre en compte leurs propres besoins et faire montre de stabilité, plus ils sont capables de montrer de la compassion, d'être là pour les autres. Donc cette idée que pour être réellement dans la compassion, il faudrait ignorer ses propres besoins et se sacrifier, est en partie un malentendu culturel.